Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sensia Awakening. Et aujourd'hui on va aller ensemble invoquer sur le portail de Gemini Cannon, qui est tout frais, qui est tout chaud. Il vient juste d'arriver là. Je suis ultra chaud les gars. Si vous n'avez pas vu la review sur le perso où on explique tous ses skills et comment jouer, elle est disponible juste ici sur le bouton i. Pour ceux qui nous rejoignent et qui découvrent la chaîne avec cette vidéo, bah écoutez, on fait plein de vidéos, souvent sur CNCA, quelquefois sur DB Legends et Dokkan. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner, ça ferait plaisir. De même que le petit pouce bleu sera grandement apprécié au niveau du référencement. Alors, je viens pas aller main vite comme à chaque grosse vidéo invocation. J'ai pas moins de 80€ à vous faire gagner en Amazon Coins, ce qui est vraiment magnifique. Comme d'habitude, vous avez juste à mettre un commentaire et cette fois-ci, n'hésitez pas à ajouter un Twitter ou un email pour que je puisse vous contacter correctement. Le gagnant de la dernière fois ne s'est pas présenté en fait. J'attends justement là, je vais devoir remettre le lot en jeu. Si jamais tu vois cette vidéo, n'hésite pas à modifier ton commentaire de la dernière fois pour y ajouter ton email, pour que je puisse t'envoyer ce lot-là. Alors, cette vidéo, elle est en partenariat avec Amazon Coins. Qu'est-ce que c'est Amazon Coins? C'est tout simplement un App Store qui va vous permettre de payer 20% vos packs moins chers en moyenne. Tout est expliqué dans la vidéo juste ici sur le bouton i et en description, vous avez le lien. De même que n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour montrer que ça vous intéresse. Et comme ça, ça fera plaisir à Amazon et on pourra peut-être faire gagner plus de cadeaux à l'avenir. Bon, sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Donc, écoutez, on a quand même pas mal de cristaux. On va en lâcher 100 aujourd'hui. Alors, très important, le portail de Gemini Cannon. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, les animations comme ça sur Sensia sont vraiment, je trouve, elles sont vraiment super stylées pour le coup. Oh là 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 là. Tellement classe. Tellement classe. Donc je vous rappelle que le portail reste 2 semaines, très important, ça veut dire que vous allez pouvoir faire vos invocations journalières et au contraire de Miyu à l'époque, ici, vous allez tout simplement, enfin ça se reset pas au niveau des récompenses, donc au niveau des paliers normalement, vous pourrez les compléter au bout de 2 semaines, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est vos 40 journalières. Nous ici, on va en lâcher 100 pour la vidéo invocation, bien sûr, et je continuerai derrière à invoquer. Donc voilà, c'est, je pense qu'on peut commencer, on va invoquer... Sur... oh là là. Shiro qui invoque. On va comment... Alors je sais pas du tout où est la constellation de Cannon en fait. Parce que Cannon normalement c'est Dragon des Mers. Mais du coup... Là je sais pas du tout où il va être placé vu qu'il a l'armure de son frère Saga. Il n'est pas sur le sur la constellation des Gémeaux comme vous venez de le voir. Donc peut-être sur Dragon des Mers. Hein. Bon, écoutez. Dragon des Mers, il est là. Il n'est pas non plus là. Bon, c'est pas grave. Vous savez quoi? On va tout simplement... Cannon des Gémeaux. Oh là là, il y a quelqu'un qui vient de l'avoir. J'avais pas vu. Oh là là, il y a quelqu'un qui vient de l'avoir juste à l'instant. On va invoquer sur Athéna, tiens, j'aime bien. Donc je trouve ça super cool de pouvoir vous faire gagner à chaque fois un lot. Alors... Comme je vous l'ai dit, c'est très simple, vous avez juste à commenter juste la vidéo là, je ferai un tirage au sort en fait dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à activer la cloche parce que bah justement la dernière fois, la personne ne s'est pas présentée, je pense, parce qu'il n'était pas au courant que j'avais fait le tirage dans la vidéo d'après. Comme ça, vous pourrez suivre et je ferai le tirage. En fait, je fais le tirage en vidéo, donc je vous montre. Il n'y a pas de carotte, il n'y a rien. On a commencé première multi là, on a eu 3 shards. Ce qui est le taux plus ou moins, c'est 2-3 shards par multi. Mais bon, pas de S. Après, c'est pas plus étonnant que ça. La moyenne, c'est plutôt 40 invoques pour avoir un S. À peu près, plus ou moins. Hein. Plus ou moins. Allez. Bon, le dernier portail, ça allait parce que on a eu quand même Hypnos, hein, je crois. Oh! Bon, un S. Oh! 2, oh, oh, pas mal. Joli ça. Alors, c'est dommage, il n'y a pas Cannon. Mais honnêtement, deux très bons doublons pour le coup. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Bon, qu'un seul, qu'une seule shard. Alors, il est très fort, Radamant. Mais il faut pas mal de doublons dessus. Donc là, pour l'instant, moi, il est level 1 dans ma box. Mais je commence à accumuler pas mal de doublons. Notamment aussi avec les parchemins de compétences qu'on peut récupérer sur tout ce qui est PVP. Et on
a yoga. Donc yoga, je l'ai déjà monté les deux skills importants à 4 et 4. Mais bon, on va pas dire non à mettre un skill à 5, c'est sûr. Donc Athéna là qui me porte chance. On va continuer là-dessus. Bon après c'est vraiment très compliqué hein, d'avoir le S du détecteur aujourd'hui. Je pense à le S en thème. Bon les chats par contre là, ça fait deux fois dessus, je commence à en avoir une. Pour ceux qui me suivent souvent, ils savent que niveau chat, c'est pas la joie d'habitude. Hein. C'est clairement pas la joie. On va mettre ça là, hop là. Quoi? Encore un canon? Mais y'a tout le monde qui le rope là. C'est un délire. En plus je crois que c'était quelqu'un encore de Ofa là, j'ai pas très bien lu. Chirou encore. Oh là 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 là. Bon les shards c'est pas la joie. Après niveau S, clairement on a eu les S qu'on devait avoir avec... Bah en gros, on a eu les S qu'on devait avoir. On a déjà 3 S. Alors que ça fait... ça fait... Je sais pas, ça fait combien de cristaux d'ailleurs. J'ai pas compté. Shura Pinto. C'est pas moi ça, Shura Pinto. Ok. Juste, on va regarder vite fait à combien on est au niveau des dépenses. Allez, c'est juste là, hop. On est à 50. Ok, on est à 50. Faut pas que j'oublie d'ailleurs, parce que j'oublie souvent. Alors ça, c'est... Parce que vu que je suis en vidéo, le pack à 2€, vous savez, qui est très rentable, qui donne une multi, donc 10 cristaux. Je me dis, je le prends près la vidéo, parce que bon, je veux pas afficher mes informations bancaires en record. Mais à chaque fois, du coup, j'oublie de le prendre. C'est un truc de ouf, c'est un délire. A chaque fois j'oublie de le prendre, vu que je me dis que je vais pas le prendre en vidéo et du coup à la fin. Alors est-ce que c'est moi ça? Bah non, c'est pas moi. C'est pas moi. Bon là on a un peu plus de chat, ça fait plaisir. On le partage avec Facebook. Hop là. Allez, on va prendre les 30 gemmes. Voilà. Bon. Du coup, là on est à 40. On va un peu tempo avec juste quelques singles. Enfin, on est à 40, non, on est à 60, donc là 61. Il nous manque 41, vous devez dire. D'ailleurs, Hypnose. Hypnose, je crois que je l'avais eu sur une single. Non, je dis des conneries, je l'ai sur multi en fait. Je dis des conneries. C'est Pix à l'ancienne quand on avait fait le duel invocation. Qui avait eu son Shiryu sur une single. Ah les gars, j'en ai chez au niveau des shards. Hein. J'en ai chez Shiryu Shard, Shenou Shard, Miyu Shard. C'était chaud. C'était pas mal chaud. Oh, 4 étoiles, ok. Bon, au niveau des shards, par contre, en single, là, j'ai l'impression que j'ai un peu plus de luck. Après, j'ai pas envie d'aller chercher... Enfin, personne n'a envie d'aller chercher le perso au shard, je pense. Après, comme j'ai dit, vu qu'il reste 2 semaines, ne vous précipitez pas sur le portail. Moi, je fais vraiment mes sans invocation aujourd'hui pour que... Bah, pour faire la vidéo, tout simplement, pour vous faire partager ça. Et pouvoir, d'ailleurs, vous faire gagner... Oh, c'est qui ? Oh, il y en a encore qui l'a eu, là. Il y en a encore qui l'a eu. Il y a encore un mec qui l'a eu. Aïe, 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 aïe. Je me demande si j'aurais invoqué exactement au même moment que lui. Est-ce que je l'aurais eu ou pas? C'est une question que je me pose souvent, ça. C'est une question que je me pose souvent. Allez. Hop. Bon, exceptionnellement sur cette vidéo, les gars, il n'y aura pas de montage spécifique. Hein, parce que j'ai un examen, là, en fait, dans même pas 2 heures. Donc là, je tourne ma vidéo et puis je mange après et j'y go direct. Donc, il n'y a pas trop le temps pour faire un montage derrière. Au niveau du carnaval, on va être à combien d'invocations? On est à 85, ok. Donc, 5 singles, une multi. C'est parti. 5 singles, une multi.
Désolé les gars pour les bruits à côté, hein, c'est. Il y a de la vie chez moi, hein, je vais pas arrêter. Je vais pas arrêter tout ce qui se passe à côté pour les vidéos. Enfin, si vous les entendez. Bon, ok. Donc là, multi 3 singles, on aura fait nos 100 invocations. Y a un mec qui a Miyu. Miyu qui a été ajouté au pool, je crois. Il y a. Sur le dernier portail, je crois que c'est à partir du dernier portail. Bon, ok. Bon, après, oh, là, pas mal. Bon, là, les shards, on est ok. En gros, là, les shards, on est ok. Je pense qu'on est peut-être légèrement au-dessus. Je sais pas pourquoi j'aime bien la constellation d'Athéna. J'aime bien la constellation d'Athéna. Donc là, normalement, on est à 100 invocations. Dès qu'on aura fini ces deux singles. On peut pas se plaindre, clairement, on peut pas se plaindre. Hein. Le taux des shards a été correct. Pour une fois, d'ailleurs. Le taux de S a été correct aussi. On en a eu 3 de tête. Hein. On a eu un Yoga Pog. Un. 3 ou 2. Dans ma tête là, j'ai. Oh, encore un qui l'a eu. Oh là 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 là. C'est la pluie là. C'est la pluie, c'est la pluie. Ah non, c'est. Pourquoi il est en rouge? Il a eu Ayuelea Julio, mais c'est en rouge, c'est trop chelou. Bon, ok, du coup, on est à 24 shards pour 100 invocations. Ce qui est un peu supérieur à la moyenne, c'est. Ah non, quoique, attends. Normalement, c'est à peu près 2-3 shards. On va dire 2,5 shards. Oh, je suis pile dans la moyenne. En vrai, je suis pile dans la moyenne, hein. Sans invocation, 25 shards, je suis pile dans la moyenne, en fait, hein. Bon, bah écoutez, c'est mieux que d'être en dessous. C'est mieux que d'être en dessous. Bah voilà pour cette petite vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vraiment à participer bah, au concours pour gagner pas moins de 80 euros d'Amazon Coins. Vous avez juste à commenter la vidéo et à tout simplement mettre votre email dans votre commentaire. Vous disiez ce que vous voulez, vous disiez que vous m'aimez. Il n'y a pas de souci, vous disiez qu'il fait beau dehors. C'est tranquille, ça passe. Je vous ferai le tirage au sort dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Je vous mets aussi tout simplement le lien de l'Amazon App Store dans la description. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, vraiment ça nous aide beaucoup. Ça permet tout simplement de savoir que les viewers sont intéressés par le store et à pouvoir faire gagner des trucs comme aujourd'hui, c'est super cool. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de chance pour vos invocations. Je vais filer à mon examen là. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao. À la prochaine.